Ce bruit est vraiment agaçant. Bref, salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Limbo. Et donc oui, comme je l'avais annoncé sur Twitter, cette semaine spéciale Limbo, parce que tout simplement, j'ai un objectif, c'est finir Limbo. Avant la fin de la semaine, enfin, peut-être pas avant la fin de la semaine, mais au moins que j'ai fini... Ouais, si... Enfin, je vais essayer d'avoir de finir avant la fin de la semaine. Pour une raison que j'ai mis sur Twitter, c'est parce que tout simplement j'aimerais bien tester un jeu qui sera peut-être en let's play. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Dans la dernière vidéo, on s'était laissé avec des scies circulaires, un hôtel, bref, tout le tralala. À savoir que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Pour une raison simple, c'est... Parce que j'avais un problème au niveau du micro et je sais pas pourquoi. Action m'a dit va te faire foutre. Et cette fois j'ai eu la brillante idée d'investir. J'ai dit n'importe quoi. De mettre un chrono. Et ça, mes amis, c'est beau. Par contre, comment je fais déjà pour toi le moustique? Je crois qu'il faut y aller tout doucement. Yatta. Oui. Oula, ce bug. Ce bug au niveau du son. Bref. Hop là. Ah non, c'est vrai que je peux pas le lâcher. Alors, je vais baisser le son parce que c'est un peu fort chez moi. Oula, non, pas trop non plus. Voilà. Donc on continue. Alors j'étais pas très loin pour vous montrer, voilà quoi, j'ai fait ce tableau et celui d'après. Et encore je crois que j'ai même pas fini celui d'après. Bon. Mine de rien, comme je regarde ici, on s'approche pas mal de la fin. Je pense qu'avant la fin de la semaine, j'aurai fini Limbo. Enfin je pense. là justement à l'heure que je vous parle, une des vidéos justement, enfin la suite de Limbo est en train de se préparer. Je suis en train de faire un rendu de Limbo. Je pense que je vais faire les vidéos aujourd'hui, donc aujourd'hui on est dimanche. Je pense que je ferai les vidéos aujourd'hui jusqu'à mercredi. Et le reste, et la fin de la semaine, je ferai tout simplement les montages. Tout simplement parce que j'aurai le temps, pour une simple bonne raison, c'est que techniquement, j'ai cours que lundi et mardi. Parce que mon stage commence, oui, parce que je ferai un stage pendant un moment, je sais pas si je ferai des vidéos sur cette période. Mais bon, mon stage commence la semaine prochaine, donc le lundi 15. Et justement... et donc justement, là, cette semaine, là, enfin, c'est la semaine qui arrive, j'aurai simplement cours que... comment? J'aurai cours que le... Je vais réussir à parler. J'aurai cours que lundi et mardi, ce qui fait que je pourrais faire les vidéos pendant ce laps de temps. Et ensuite le montage, je pourrais faire dans des jours libres. Ce sera... Oh non, grave erreur. Ce sera plus facile à faire. Parce que tout simplement j'aurai plus de temps. Alors... Je sais pas pourquoi je regarde le temps. Peut-être si vous voulez, j'ai mon portable à côté, donc je surveille le temps à chaque fois, mais je sais pas pourquoi, je vois pas l'intérêt, sachant que... Alors attendez. Non. Parce que là, en fait, le but, c'est de pouvoir passer de l'autre côté à temps. Parce que si on passe pas de l'autre côté, on peut pas tout simplement pousser ça ici. Ce qui est très pas pratique. Ah si, oui, c'est vrai. J'avais oublié.
Ah non. Non, non. Quoique. Je sais plus. On va essayer comme ça. J'adore le bruit. Non! J'ai fait n'importe quoi. On va recommencer parce que j'ai fait absolument n'importe quoi. Oui, je perds du temps. Et alors, vous commencez à connaître dans Limbo. Bref. C'est pas comme si on avait perdu du temps incommensurable dans beaucoup d'épreuves dans ce let's play. Bref. Voilà, et donc ensuite, on fait ceci. Yata. Allez. Et ensuite, on n'a plus qu'à pousser et il partira en bas. Je passe beaucoup moins de temps que la première vidéo que j'ai faite sur cette épreuve. Alors... ah oui. C'est vrai. Donc je vais commencer à mettre ça ici. En fait, là, le but va être très simple. Hop, on doit aller ici. Et on va devoir... Voilà, parce que vous voyez ici, quand on appuie ici, ça ouvre le truc. Et dès qu'on enlève, bah évidemment, ça retombe. Donc ce qu'on va devoir faire avec la boule, c'est un peu le même principe qu'on avait avec l'échelle dans la dernière vidéo. Hop, on pousse comme ça. Donc la première, simplement, là, ça va faire ça. Donc ça va retomber. Et on va tout simplement devoir attendre. Parce que la boule va devoir... enfin le pneu, c'est un pneu en fait. Voilà, le pneu revient. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Et ben, chapitre de passé. Ensuite, donc, on fait comme ceci. Ah oui! Alors là, on va avoir le rouage qui tourne. Il faut absolument prendre ce tonneau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, donc on le met là. On va le laisser partir. Et on va attendre qu'un autre bout de l'engrenage nous emmène. Mais bon, il nous faut absolument cette caisse. Elle va nous être très utile. Et vous voyez qu'ici, il y a une autre caisse. Alors on va d'ailleurs aller la chercher. On va d'abord pousser celle-ci. Hop. Donc, là comme ceci. Ah oui, je crois que j'avais été bloqué ici. Et bon, on va aller voir ça. Bref. Et donc, on prend la deuxième caisse déjà. Voilà, vas-y tombe. Mais non, tombe. Mais non, tombe. Ah ah! Ah ah, blague drôle. Blague drôle. Hop. Par contre, je ne sais absolument plus ce qu'il faut faire. Ah si. Ah si. Je viens de piger. Hop. Voilà. Et voilà, pas du tout. Oh, décidément. Je crois que je vais être encore bloqué dans un endroit. C'est pas possible. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si je fais ça. Ben, je vais pas pouvoir grimper. Ce serait bidon de ma part. J'ai cru que j'allais mourir. Ah bah oui. Suis-je bête, voyons. Faut juste être très intelligent. Oui, ben j'ai dit très intelligent, pas très bête. Merci Limbo. Hop. Et c'est parti pour de l'abus. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a ici. Donc déjà, il y a une chaîne. Je suppose que c'est pas pour rien. Ah, à mon avis, c'est parce que c'est électrifié ici. Donc il va falloir faire un magnifique saut à la Georges de la jungle. Youhou! Limbo. Aussi fort qu'un petit enfant. C'était nul. Pousse!
C'était pathétique. Je crois qu'on n'a jamais vu un saut aussi pathétique depuis les premiers LSP sur ce jeu. Sachant que j'en ai vu aucun, mais c'est pas grave. Alors... Ah vache, mais il va falloir faire un immense plongeon là, c'est même plus un plongeon qu'on va faire là, c'est... On va devoir passer à l'étape supérieure, on va devoir passer à l'étape Tarzan, quoi. Allez! Tu peux le faire, mon fils! Pourquoi mon fils? Je ne sais absolument pas, je sais juste que j'avais envie de sortir ça et que je l'ai sorti. Par contre, ça m'énerve! Mais non, mais... À moins que... Oh non, t'es sérieux? Ah, et en plus, je savais que ce truc allait être utilisable. Ah, mais non, mais attends, mais je vais pas avoir le temps, en fait. Mais je vais pas avoir le temps. Je t'explique, je... Et si je fais très vite? Ah mais non, mais j'aurai jamais le temps. Tous, non, reviens là, corde de l'amitié. Ah bon. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce qu'il faut absolument appuyer sur ce bouton, on est d'accord. Et comment je fais pour aller jusque là-bas? Est-ce que Limbo est... Ben non, le saut de Limbo est très court. Ça m'embête un petit peu. Oh, je sais. Ah, il va falloir hyper rapide là en fait. Rapide. Rapide. Je suis rapide. Eh ben non. Eh ben non. Ou alors... Ah oui! Ah oui! Ah oui, là j'ai dit oui! Eh ben écoutez, j'ai trouvé complètement au hasard. Allez! Ouf! Quoi? 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 Je suis mort! Mais quoi? Alors là, c'est la mort la plus pathétique! Mais il y a vraiment que chez moi qu'on a des morts aussi pourris, quoi, t'sais. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait que je me balance avec un beau plaisir immense. Si je puis m'exprimer ainsi. Alors, je vais laisser la chaîne. Allez, non, non, Limbo, pourquoi moi, tu trahis? Oh non, mais j'en ai marre de rester bloqué. J'en ai marre de rester bloqué sur les mêmes trucs pendant des ans, quoi, t'sais. Allez, ça fait 13 minutes déjà. La vache. On prend trop de temps, on prend trop de temps. Moi je le dis, je le dis. Moi je vais poser un... Mais c'est pas possible. On recommence. Attrape-moi cette chaîne. C'est même pas une corde, c'est une chaîne, quoi, de base. Tout est cassé. Mais qui a trafiqué ce circuit électrique, sérieusement? Quel électricien qui a fait... Qui a fait ce jeu? Mais je sais en plus que les sauts de Limbo sont très stricts. Alors pourquoi je saute? Je saute avant. Je saute 2 secondes avant. Ah mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis doué? Allez, on baisse pas les bras et on va activer ce truc. Et cette fois. Oui. Et cette fois, on meurt pas comme un con. On ne meurt pas comme un con. On joue les intelligents. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? D'accord, fallait tout simplement descendre. Ok.
Mais on va pas mourir si on fait ça. Ah bah non. Mais qu'est-ce que ça fait, dis donc. Oula, oula, non, ça dégringole un peu, ça me plaît pas. Non, non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de tomber. À mon avis, il va falloir pousser ceci. Allez, pousse. Pousse les morts. Non, je veux pas mourir. Encore une fois. Je comprends rien à ce qui se passe là. Oh putain. Oh, c'est tellement fourbe. Oh, les enfoirés. Désolé, c'est sorti tout seul. Mais là... La plus fourbe, tu meurs quoi. Sérieusement, j'ai pas eu plus fourbe depuis longtemps. Si, j'ai déjà eu aussi fourbe dans ma vie. Bref. Ah vache, mais c'est... Mais c'est très fourbe en fait. Hein. Faut vraiment connaître le jeu quoi, pour savoir ce genre de piège quoi. Bon, j'ai compris. Ah ouais, mais faut pas être trop loin non plus je pense, parce que si on est trop loin, on va tomber. Décidément, ils sont très fourbes, les développeurs. Allez, tombe, tombe, tombe. Merci. On passe. Et la l'engrenage va nous emmener. Très bien. Accroche-toi, Limbo. Alors... Où est-ce qu'on va? À mon avis, il faut aller à gauche. Bizarrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je suppose qu'il faut pas tomber. Bah si. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Wait. Ah d'accord. Et là, je pense qu'on peut pas le bouger. Voilà, c'est exactement ça. Ok. À mon avis, la caisse, il y a un aimant dans la caisse. Enfin, je suppose. Encore. Cours, on appuie. C'est bien. Mais dis-moi, ça sert à quoi en fait? Parce que oui, là ça ouvre. On a un laps de temps, mais à mon avis, je peux avoir assez d'élan. C'est ce que je pensais. Alors, attendez, j'ai quand même essayé de faire un truc. Ah bah si. Faut juste que je sois très doué, c'est tout. Allez, on y va. Que la puissance de la douititude du Cuba soit avec moi. Oh là! Ah mais non, mais c'est parce que je saute aussitôt, alors qu'il faut absolument pas que je saute aussitôt. Moins vite, moins vite. Allez. Yata! Allez! Oui! On y est! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas confiance. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas trop confiance. La viens, la viens, la viens, la viens, la... Non. Ah. Limbo, reste là-dessus. Reste sur la caisse, Limbo. Waouh. J'ai pas confiance, là. Il faut qu'on descende. Mais j'ai pas très envie. Non. Non, non, non. Ah non, ah. D'accord. Il faut absolument que j'arrive à atteindre cette chaîne. Ah mais je suis con. Mais je suis con. Mais je suis complètement débile. Quoique peut-être pas. Allez, on grimpe. Il faut... Alors là, on va devoir rester ici. Et à mon avis, on va devoir atterrir sur la caisse. Il va vraiment falloir qu'on soit juste là. Et à mon avis, il va falloir faire du balancement. Ah ouais. Ah ouais, et ça va être très fourbe en fait. Oh. Mais alors, très fourbe. Si je fais ça... Ah mais non, je ne suis point d'accord. Ah non, monsieur. Non. Maintenant. C'est génial. Alors là, je vous dis, je m'éclate.
je m'éclate vraiment. En plus, avec la musique, enfin l'ambiance plutôt sonore qui accompagne derrière, je m'éclate. Est-ce que faut pas que je descende par hasard? Hop. Wouhou. Alors, il y a un caillou. Non, je vais pas le tirer maintenant, parce que... Bah, quoique, peut-être que si, finalement, parce que j'ai pas trop le choix. Non, c'est de l'autre sens, Ingo. Alors. Ah. Je vais devoir monter sur le caillou. Parce que si je monte pas sur le caillou, je vais me faire écraser. Enfin, je le sens. Ah ouais, mais... Oui, mais... Oh la vache, j'aurai du mal. Qu'est-ce que... Ah non, je crois que c'était pas ça. On s'en va. On s'en tire. You know. Ah. Oh, elle était géniale cette mort. Ah non, à mon avis, faut que je saute au-dessus de... Au-dessus du rocher. Enfin, au-dessus du caillou. Et pourquoi j'ai plus les bruitages? Qu'est-ce que c'est que ce... D'accord, c'est une voiture. J'avais plus le bruitage, c'était génial. Alors... Ou alors, il va falloir être très rapide et monter très très rapidement. Mais de toute façon, on peut pas. Il faut obligatoirement qu'on monte sur le caillou. Waouh, ça va être très short. Ça va vraiment... Non ! Non, viens là ! Mais attends, tu veux faire comment? C'est très short le truc. Attendez, j'aimerais voir un truc. Allez, d'accord. Bref. 21 minutes. Et bah, vous savez quoi? Je pense que je vais arrêter cette vidéo après ce chapitre et que j'en ferai une derrière. Mais attends, il me perturbe un peu le jeu là. Ah non, ah non, 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 non. Mais en fait, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Il va falloir vraiment que j'esquive la bouboule en fait. Mais comment je fais pour esquiver la bouboule? On va déjà redescendre. Et on va devoir monter. On est bien d'accord sur le fait qu'on va devoir monter. Par contre, j'ai un dilemme. C'est que le truc que là-bas, il descend. Je comprends pas. Je ne pige pas. Il faut absolument que je monte. On est d'accord. Alors pourquoi ? Il faut que j'arrive à monter. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, faut que je monte. Mais je vois pas comment. C'est ça le truc. Comment je fais pour monter? Parce qu'il faut absolument, de toute façon. J'ai pas 36 solutions. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un truc à faire là? Bah non. Alors. Je peux pas grimper, je peux pas monter, je peux absolument rien faire. C'est quand même un dilemme. Mais je suis sûr. Enfin, je suis presque sûr qu'il faut grimper au-dessus de ce rocher. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. On est bien d'accord sur ce point quand même. Est-ce qu'il faut vraiment être très 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 strict? Yeah. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ou alors, il faut sauter à la dernière minute. Je ne vois que ça, je vois que ça en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un laps de temps pour qu'on puisse atteindre l'autre plateforme. Après c'est peut-être moi, mais à mon avis ce truc... Il ne sert à rien finalement. Ou alors si... Mais pour grimper. Mais alors faut faire très vite à mon avis.
Oui, c'est exactement ça. Je suis très doué. Alors, eh bien écoutez, on a un papillon. On a un beau papillon qui est là. On a un bel engrenage. Bref, on va arrêter la vidéo ici. Je vais continuer de mon côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Moi, je vous dis la vérité, dans cette vidéo, je me suis bien amusé. J'espère que ce sera le cas dans la prochaine vidéo. Enfin, dans celle qui va suivre. Je vais pas vous faire tout mon baratin tout de suite. Je vais attendre la prochaine vidéo. Hein. Donc, écoutez, je vous dis... Bah, écoutez... À tout de suite ou à la prochaine si vous regardez si vous sautez la prochaine vidéo si enfin, bref je me perds dans mes mots, je refais ma phrase en français. Je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine si bah écoutez si vous regardez seulement que cette vidéo, que vous voulez suivre la prochaine, simplement dans l'après-midi, enfin dans une prochaine journée, après-midi, bref, ce que vous voulez. Bref, je vous dis, je sais pas combien de fois j'ai dit bref, mais c'est pas grave. A tout de suite.